Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce magnifique point. Donc, vous pouvez voir son relief. Regardez. Il est vraiment super magnifique. Regardez. Il a beaucoup de texture et il est vraiment facile à faire, vous allez voir. Donc, il est multiple de 4 plus une maille. Voilà. Donc, il est reversible, hein, ça veut dire que de l'autre côté, il est exactement pareil. Et vous pouvez faire une multitude de choses avec. Donc, libre à vous, en fait, d'imaginer et de créer. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui. On va commencer par monter donc un multiple, comme je disais, multiple de 4 plus une maille. Donc là, j'ai 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Une fois qu'on a le multiple de 4, donc 4 fois 5 égale 20, on fait une maille supplémentaire. Une fois qu'on a la chaînette montée, on va monter avec 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, qui équivaut à une bride. Et dans la quatrième maille, donc je compte depuis le crochet, 1, 2, 3, 4, et dans la quatrième, je vais faire 2 brides. Une, et au même endroit, donc je pique dans la même maille, et je fais une deuxième bride. Maintenant, on va compter. 1, 2 et 3, et dans la quatrième maille d'en bas, donc dans la chaînette de base, je fais une maille serrée. Maintenant, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, et au même endroit où je viens de faire la maille serrée, donc ici dans l'espace, vous piquez et vous allez faire 3 brides. 1, 2, maintenant, de nouveau, je répète. 1, 2, 3, dans la quatrième, vous piquez et vous faites la maille serrée. De nouveau, 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ici même où je viens de faire la maille serrée, dans la même maille, je pique et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Je répète, je saute 3 mailles, 1, 2, 3, et dans la quatrième, maille serrée. De nouveau, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, au même endroit où je viens de faire la maille serrée, 3 brides. 1, 2, et 3. Je saute 3 mailles, 1, 2, 3, et dans la quatrième, de nouveau, je répète, une maille serrée. Maintenant, de nouveau, 1, 2 et 3 mailles en l'air, et ici où il y a la maille serrée, 3 brides. 1, 2 et 3. Je saute 1, 2, 3 et dans la dernière maille, je termine par une maille serrée. Et là, nous avons terminé le rang de préparation, donc le premier rang. Maintenant, le deuxième rang, on retourne l'ouvrage. On monte avec 1, 2 et 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et ici même où je viens de faire les 3 mailles en l'air, donc dans la première maille, c'est exactement sur la maille serrée, on a fini le rang numéro 1, ben ici, vous piquez et vous allez faire de nouveau 2 brides au même endroit. 1 et 2. Et maintenant, donc je vous explique bien pourquoi on va créer, comment on va créer ce relief. Ici, il y a 3 brides. 1, 2 et 3. La deuxième, on va l'envelopper par devant. Donc, on passe le crochet en dessous. On l'enveloppe par devant. Maintenant, on récupère le fil. On le passe et on fait notre maille serrée. Maintenant, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans l'espace ici, vous voyez, dans cet espace, juste après les 3 brides, vous aviez un espace. Il est ici dans chaque groupe. C'est les 3 mailles en l'air qu'on fait à chaque fois. Dans cet espace-là, on fait 3 brides. 1, 2
Et 3. Je passe au groupe suivant où je vais répéter exactement la même chose. J'enveloppe la deuxième bride par devant et je fais une maille serrée en relief par devant. Une, deux et trois mailles en l'air. Dans l'espace que je vous disais ici, tout simplement, vous allez venir faire trois brides. Une, deux et trois. Je passe au groupe suivant, je fais la même chose. J'enveloppe la deuxième des trois brides et je fais une maille serrée en relief par devant. Une, deux, trois mailles en l'air. Je passe ici dans l'espace et je fais comme tout à l'heure trois brides. Une, deux et trois. Je passe ici, j'enveloppe de nouveau la deuxième bride, je fais ma maille serrée en relief. Une, deux, trois mailles en l'air, je passe dans l'espace et je fais mes trois brides. Une, deux et trois. Je passe à l'espace suivant et je termine pas en enveloppant donc le dernier motif que vous ayez, n'importe quelle longueur vous ayez, ce qu'il faut répéter c'est ça. Mais on finit toujours le rang par faire une maille serrée normale dans la troisième maille en l'air de la fin. Vous piquez, vous faites une maille serrée normale. Maintenant, vous retournez l'ouvrage. Et on va répéter le deuxième rang, donc exactement le même. Une, deux, trois mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et au même endroit où je viens de faire la maille serrée, dans le rang numéro 2, je fais pour commencer deux brides. Donc ça, c'est le commencement. Maintenant, je passe au groupe suivant. Et vous voyez, on a l'espace qui s'est bien formé. Et ici, on a trois brides. La deuxième, on l'enveloppe par devant. Et on fait notre bride entre mailles serrées en relief par devant. Et on répète. Une, deux, trois mailles en l'air. Et dans l'espace qui est clair, hein, ça se voit tout de suite les trous. Ici, on fait trois brides. Une, deux et trois. Maintenant, je passe au groupe de trois brides. J'enveloppe la deuxième en avant et je la crochette. De nouveau, une, 2, 3, dans l'espace, 3 brides. C'est vraiment une répétition. Il est vraiment très facile, surtout que c'est qu'un rang à retenir, donc c'est très simple. Maintenant, on passe au groupe suivant, la deuxième. Par devant, maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans l'espace, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, la deuxième bride, je l'enveloppe et je fais ma maille serrée en relief. 3 mailles en l'air. Dans l'espace, 3 brides. 1, 2 et 3. Et je termine, n'oubliez pas, exactement pareil que le deuxième rang. Dans la troisième maille en l'air, ici, je pique et je fais une maille serrée normale. Ça, c'est exactement ce qu'il faut répéter. Là, vous allez répéter de nouveau le rang numéro 2 ou le rang numéro 3, c'est toujours les mêmes de toute façon. Le 2 ou le 3, hein, c'est les mêmes. À volonté, jusqu'à avoir donc la longueur, la largeur désirée. Et vous allez obtenir un magnifique point en fait. Il n'y a pas d'autre mot pour le définir, il est juste magnifique. J'espère que vous le voyez exactement comme avec mes yeux. Vous voyez, ça fait des trous, c'est trop beau. Ça fait effet 3D total quoi. Voilà, donc moi j'adore ce point. Et ainsi aussi, regardez si vous aimez les points en relief. Regardez bien dans la playlist sur ma chaîne DJ Crochet Tricot, vous trouvez tous les points. Et si vous aimez, donc regardez sur les sites. N'oubliez pas de regarder mon site lydiacrochettricot.org. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé ce tutoriel, que vous vous abonnerez. Et moi, je vous dis à très bientôt.